Ok. Fraction. Fraction, exemple. Ok. Amis de circle. J'ai fait un cercle. Moins fait le cercle. I divide in four. Je l'ai divisé en quatre. Premièrement, je l'ai divisé en quatre parties. I got one fourth. J'ai un quart. Moi, j'ai un quart. Ensuite, lorsque j'ai fini de diviser en quatre, then, after dividing in fourth, l'homme finit de diviser en quatre. Je vais essayer de diviser en 8. I'm going to divide in 8 parties. In 8 parts, equal parts. I'm going to divide in 8 equal parts. Je vais diviser le cercle qui représente l'unité en 8 parties égales. Okay. This circle represents unity. Unity, like one orange. One orange. So I divide more. I divide more. Moi divise plus toujours. Et puis on compte. Let's count how many parts equal parts I got. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So now I divide more in eight equal parts. So j'ai divisé en huit parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai divisé en 8 parties. La même unité, la même orange. Moi, divisé orange là en 8 parties qui égale. OK? 8 parties égales. So, 8 parties égales. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. So, le dénominateur. OK? Le dénominateur, c'est en how many parts de fraction il divide. Il divide. Le dénominateur indique à combien de parties l'unité est divisée. So, le dénominateur indique how many parts l'unité is divided. Le dénominateur indique à combien de parties l'unité est divisée. This is unity. The unity. OK, à combien de parties, and how many parts it divide. I divide, first of all, in fourth, then I divide in eighth. So, if I got a fraction before one fourth, and I divide more on 8 parties, you can have a fraction égale. So, 1 by 2 done 2, 4 by 2 done 8. So, 1 fourth is going to take 2 parties from the 8. So, you can have the equal fraction like that. So, vous va avoir des fractions égales. Par exemple, si nous prenons la première fraction qu'on a fait un quart, on a pris un parmi les quatre parties. Un, deux, trois, quatre parties, on a pris un quart. Et puis, quand on a divisé en huit parties, on veut trouver la fraction égale à un quart. Si on multiplie un par deux donne deux, quatre par deux donne huit. Remarquez que si on multiplie la même fraction par la même quantité, la fraction n'augmente pas. C'est une fraction égale qu'on obtient. Là, nous multiplier une fraction par un même chiffre là, son fraction égale là-bas. Et pas une fraction qui est plus gros. Son fraction égale. Chiffre là, il doit être plus gros, mais égal. OK? Ou pas changer valeur là. Fraction que tu es là avant. C'est même juste
ou vin divize. Ou pou ese menm yon kor la, epi ki vin bo, ou vin bay 2 pati ou vin divize. Ou pon la ou pon 2 dan le 8, ou te divize avan, ou te pon 1 dan le 4. So, se sa, la fraksyon ne chanj pa, si on multipli le 2 term, an ou en ba, par le menm chif. On obtien toujou yon fraksyon egal. So, un kor egal a 2 8e. Deux fractions dans un change, if you multiply le numérateur et le dénominateur, le numérateur et le n de dénominateur by the same number. Like two, you got the first fraction, one fourth, you have divided the unity in four, you take one fourth, now you decide to divide the unity on and eight equal parts, so now one fourth, you multiply by two and multiply by two. Now it's eight. You got two eightième, two eighth. So this is the same, one fourth equal à two eighth. The same fraction. So you got lowest term here, you got the term is bigger, but the same fraction. So one fourth and two eighth. So now, because you got one eighth in each, one eighth, so you can add them. So if you got one eighth plus one eighth, you got two eighth. Yes, one eighth. Okay, meaning you take one from the eight equal parts plus one again from the eight equal parts, and then you add them. The denominator doesn't change. You can add the numerator only. One plus one equal two. Ainsi donc, si vous avez une addition avec le même dénominateur commun, on n'a qu'à additionner les numérateurs. On remet le chiffre 8 ici et puis on additionne les numérateurs, ça vous donne 2 huitièmes. So, vous voyez bien, le 2 huitièmes représente le 1 quart qu'on avait avant. On a simplement divisé beaucoup. C'est ainsi que si on veut prendre un exemple pratique, on a une famille qui avait 4 enfants. Quand on divise la nourriture, on divise en 4 parties. OK? Et d'une autre famille qui a 8 enfants, la même unité, ça veut dire l'unité peut représenter un salaire, et pas toute une orange, un salaire c'est une unité. Les deux familles ont le même salaire, mais une famille a 4 enfants et une autre famille a 8 enfants. Sur le salaire de la famille qui a 8 enfants, on va le diviser pour les 8. Pour les 8. Ce qui veut dire que on aura, avant, on avait un quart, un quart, un quart, un quart. OK? Un quart. Et then, pour la deuxième famille, on aura un huitième, un huitième, un huitième, un huitième, un huitième, un huitième, un huitième. Et si on veut trouver l'équivalent, on aura à faire. On additionne et puis on peut toujours multiplier pour trouver la fraction égale. Now, two families, OK? The first one has the same salary than the second family. But the first one has only four kids. The second one has only eight kids. So, the same salary will be divided more with eight kids. And if you are among the eight family, among the eight kids, you will get less part because the same thing is divided more. So, eight four, eight one eight for each, one eight, one eight, one eight, one eight, one eight, divide more. And before the first family,
1/4, 1/4, 1/4. 1, 2, 3, 4. 4 parts. So 4 equal parts. After that, the second family, 8 equal parts. So you want to know how we can be, if we can say in 8/8, what 1/4 represent. So we put it here. Okay. So I want to say like, you got to know, if you got like 1/4 and 1/8, even though the denominator is bigger, doesn't mean the fraction is equal. They are not equal fraction because you got 1/8. 1/4 and 1/8. The one you divide by more, you got less. So between 1/4 and 1/8, okay, 1/4 is bigger. 1/8 is less. Is lesser. So, ainsi, je dis que si vous prenez ces deux fractions, 1/4 et 1/8, 1/4 est plus gros, est plus grand que 1/8. OK? 1/4 est plus grand que 1/8 parce que l'unité 1 est divisée en 8 parties pour 1/8. So, on a divisé mort, on a reçu moins. Et 1/4, on a seulement divisé en 4 parties, on a reçu plus. So, ce qui veut dire que pour rendre la fraction égale, OK, on a multiplié pour trouver la fraction qui est égale à 1/4, parce que 1/8, quand on parle de 1/8, 1/8 n'est pas égal à 1/4, so on multiplie une fois de 2, 4 fois de 8, et vous voyez bien qu'on a pris les deux, 1/8 plus 1/8, ça vous donne 2/8. So nous dit que, si on prend une fraction, il y aurait les 1/4 avant, ou point une, l'on était divisé ça en 4 là, si on prend un quart, ouais, je prends une encore, un quart, la fraction est un quart là. L'est pas égal à la fraction est 1/8. OK? L'est pas égal. Et un quart là, l'est plus petit. L'est plus grand que 1/8. Pardon, excuse-moi. L'est plus grand. Même si on a 4 là, plus petit en bas, l'est plus grand. Parce que le dénominateur là, c'est l'est indiqué en combien parties? L'unité a bal divisé. So, si on divise un bagay en 8, on va recevoir moins. Même bagay là, on va divise en 4. Moun ki lan groupe 4 là, a gagné pi plus. Et même gens, papa a travaillé même gens avec voisin. Mais si papa fait plus petit, voisin fait moins. Ou après, l'autre l'assemblée yo pi riche. Mais yo pas pi riche. C'est parce que gen moins petit. So, mettre ça bien en tête que combien qu'on va diviser bagaille important. So I explain that if you are among a family with 4 kids, you will receive more. If you are among a family with 8 kids, you will receive less. Okay? It will appear that the family with 4 kids is richer. No, they got the same salary. Both fathers have the same salary. But when you got more kids, you got to divide more. So, meaning, we want to see in that family they give you 1/4. So in the other family, what is equal for the other family equal at 2/8. So 1/2 done 2, 4/2 done give 8. 1/2, 2, 4/2, 8. C'est ainsi, j'ai dit que les deux familles, les parents reçoivent le même salaire.
Les deux différents parents reçoivent le même salaire. La première famille a seulement quatre enfants, tandis que la deuxième famille a seulement huit enfants. L'enfant qui fait partie de la famille de quatre recevra plus après la division et après le partage. Tandis que l'enfant de la famille de huit enfants recevra moins parce qu'on a divisé beaucoup plus en huit parties égales. Nous avons besoin de savoir, quand on prend un sur les quatre, un quart de la famille de quatre, à combien ça égale, combien cela est égal dans la famille de huit. C'est pourquoi on a ce schéma. On a divisé en quatre, on a aussi divisé en huit. On peut clairement voir que le 2 huitième. Mais on voit le 2 huitième, mais il faut le prouver. Okay? Comment on le prouve? On n'a qu'à multiplier. Quand on multiplie les deux termes de la fraction par le même chiffre, on obtient une fraction équivalente. 1 par 2 donne 2, 4 par 2 donne 8, 2 huitièmes. Et ensuite, on peut faire de cette façon, si on prend 1 huitième, un dans les 8 ici, un dans les 8 ici, on additionne, on conserve le même dénominateur, le dénominateur est commun, on le remet ici et on additionne seulement le numérateur, on a 2 huitièmes. La fraction 1 quart est égale à 2 huitièmes.